avec en compagnie de Jimmy Go, GTA 59. Jimmy GTA 59, salut. Alors Jimmy, on va parler assez haut quand même. Aujourd'hui, oui. On va faire un test sur G.I. Joe, le 1. Et je suis très content parce que celui-là, j'ai jamais joué au premier. Donc je vais le tester aussi. Ah, oui. Donc, Real America Hero. Donc vas-y, tu peux faire un star et puis commencer une partie. Alors ce jeu est sorti en 1991. Il est sorti aux États-Unis. Malheureusement, il n'est pas sorti chez nous en France. Alors, on peut incarner tout simplement en G.I. Joe, Duke, Snake Eye, Blizzard, Captain, Green Iron et Rock'n'Roll. Donc, ça fait déjà pas mal de personnages à incarner. Donc, la musique a l'air sympathique. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Tu mets du son ? Ouais, mais un petit peu de son pour les internautes. Alors c'est parti. Alors là je vois tu commences le jeu avec deux personnages à part. Non, trois personnages. Tu peux déjà avoir trois personnages dès le départ. Ouais. Ouais, parce que t'as Duke, Blizzard et Captain Green Iron. Donc bon, t'as les jauges de vie. T'as un timing qui s'écoule. Et tes balles apparemment il serait compté. Alors moi je connais le deuxième jeu, G.I. Joe, en appuyant sur Select, tu peux pas avoir le coup de poing ? Si, si. Ouais. Donc en prenant les options, si c'est comme le deuxième jeu, tu vas pouvoir progresser... Ça, en prenant les options, tu vas pouvoir progresser le personnage, qu'il soit de plus en plus fort. Alors t'as pris Duke. C'est le héros de la première saison de G.I. Joe. Ouais, c'est pas mal. Et pas mal l'effet là avec le personnage qui est à l'arrière et qui passe en avant. Regarde là. Ouais, pas mal. Donc, tu connais un peu G.I. Joe, Jimmy ? Ah, un petit peu, j'ai joué... Allez, petite question piège. Les ennemis, comment ils s'appellent ? Elle est bonne, celle-là. L'armée ennemie. Allez, ils ont un nom, l'armée ennemie. C'est un serpent. Ah, Snake... Non, c'est les cobras, les cobras, ouais. Ouais. Les cobras. Donc, il me semble que tu as le DVD hein, dans ta collection. Hein. Ouais. Hein, de la série, mais t'as pas encore regardé. Donc G.I. Joe, ben, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement une filière de jouets qui a été créée. Et à partir de moitié des années 80, ils ont fait une série animée sur ces fameux jouets. Il existe 1, 2, 3. Il existe également des Marvel sur. En bande dessinée bien sûr, des Marvel tirés de G.I. Joe. Alors, tu pouvais interchanger avant, je pense, hein. Je sais pas. À mon avis. Hein. Là, t'as pris Blizzard. Non. Théoriquement, il fait un peu chaud pour Blizzard, mais bon. Ah. Il y a des effets sympas, hein. Il y a un peu d'orage, on dirait, non ? Ah, une petite tempête. Ouais, une tempête. Ouais, très bien graphiquement, je... Ça n'arrive pas là. Ah, t'étais plus bas, tu vois. La maniabilité, ça va, ça correspond. Oui, on sait. Bon, impec. Impec. La musique est sympa. Ah, mais dis donc. Et essaye d'avancer un petit peu plus loin, que les internautes voient, sans te faire tuer. Alors, tu peux faire une petite pub à ta chaîne, Jimmy, on n'a pas précisé oui, que t'étais aussi youtubeur à part de Retrogami Arrache. C'est Jimmy GTA 59. Je suis un peu de tout. Des retours de Brocante, des retours d'Achor.
Alors t'as du mal avec l'avion, hein. Tout à l'heure il t'a mis une branlée. Si tu peux changer de personnage, ça serait cool parce que... C'est pas sympa. Non? Avec Select, non? La manette? Non, non, Select c'est pour les armes. Ah mais la dernière fois j'ai vu. Ah si tu meurs j'essaierai Captain Grid et Iron. Pas confondre avec Captain America. Ah toi elle se ressemble pas. Ah mince, t'es mort. Ouais, je l'ai eu avant. Allez, je vais essayer le dernier. Toi, tu mettrais quelle note? Zéro. Non, je vais pas. Non, première vue. Hop, ouais. Hop, hey, à moi, à Mika. Waouh. Ah bah, j'ai du bon. Ah, t'as le meilleur, toi. Alors si c'est comme... Oh bah attends. Ah ça va, ouais. Du moment que tu le tues pas, après il revient. Faut les tuer. Le coup de poing c'est mieux, ouais. Ah ils vont vite. Hein. Ah ouais, je vois ça. Déjà le 2 que je possède, il est déjà hard là, comme jeu. Ouais. Mais celui-là, il dérange pas à l'arrivée. Par contre, t'as moins d'options qui se battent. C'est parce que t'as tous les ennemis qui s'amènent en courant, c'est ça? Ah ouais. Ils vont vite pour s'amener. Là, comme celui-là. Ouais, c'est clair. J'ai allé moins loin, ce tour, tu vois. Ah, si tu fais marche arrière, après, t'as tous les ennemis qui arrivent. Ça tourne, hein, le bonhomme. Ah ouais, non, mais je vais regarder s'il n'y avait pas... C'est quoi ce bordel? Bah en fait, je... Ah non, en fait, on rit, quoi. Ah bah il m'a eu. Première vue, tu as mis combien toi? Maintenant que j'ai testé le jeu. Allez, je dirais 13. Un 13 sur 20, moi j'ai monté à 16 sur 20 pour un jeunesse. Ah si, maniabilité, musique, l'ambiance, et puis j'aime bien G.I. Joe. Donc 1990, hein, la date de sortie, je me suis peut-être trompé, j'ai dit 1991 il me semble. Mais c'est 1990. Ouais, ouais. Bah, ouais, moi je lui mets un petit 16 sur 20, un bon petit jeu. Ouais, ouais, ouais. Okay. Après, faites votre avis vous-même, chers internautes. Ok, ok. A plus. A plus. Alors, je vais faire le tour de la caméra pour vous l'éteindre. Allez, au revoir et à la semaine prochaine.